abrité des influences océaniques par le massif vosgien, le vignoble bénéficie d'une des pluviométries les plus faibles de France. La géologie alsacienne est une véritable mosaïque. Cette grande variété de terroirs est propice à l'épanouissement des 7 cépages. Le vignoble profite d'un ensoleillement maximal qui favorise une maturation lente et prolongée des raisins et l'éclosion d'arômes d'une grande finesse. Le domaine familial Orcher vous souhaite la bienvenue. Tout débute en hiver. La vigne est au repos, il faut la tailler. On élimine les vrilles sur les baguettes sélectionnées. En février-mars, le liage consiste à arquer les sarments afin de favoriser le développement des bourgeons. Les coteaux de Mittelwihr, appelés le Midi de l'Alsace, bénéficient d'une exposition tellement favorable que les amandiers y fleurissent et y mûrissent. C'est en juin que la floraison démarre et détermine avec une certaine précision la date des vendanges, en principe 100 jours plus tard. Grâce à la complexité géologique de notre vignoble, le choix des cépages, l'entretien du sol, la conduite raisonnée de la vigne sont autant de paramètres qui vont marquer la différence et assurer la naissance de nos grands vins. Depuis de nombreuses années, nous pratiquons l'enherbement partiel. Cette technique consiste à réguler la vigueur de la vigne et à limiter le désherbage en labourant un rang sur deux pour aérer le sol. Dans l'autre rang, on laisse s'implanter la flore naturelle que l'on maîtrise par un fauchage et on obtient ainsi un apport de matière organique. Le palissage consiste à positionner les rameaux vers le haut. Ce travail est réalisé à l'aide de la palisseuse qui, grâce à ses deux vis sans fin, remonte les sarments tenus par deux ficelles. Celles-ci passent de part et d'autre du rang et sont reliées entre elles par des agrafes. L'effeuillage est réalisé à la main. Il consiste à éliminer les feuilles situées à proximité des grappes pour augmenter leur ensoleillement, leur aération et ainsi limiter le risque de pourriture. Le rognage vise à couper l'extrémité des rameaux en croissance de façon à former une haie bien régulière et favoriser l'ensoleillement. L'ouverture des vendanges est fixée officiellement par le préfet et un comité d'experts. Les vendanges débutent habituellement vers le 15 septembre avec le crémant d'Alsace. Suivent ensuite les 7 cépages.
Quelques semaines plus tard, si le temps le permet, on récolte les vendanges tardives et les sélections de grains nobles. C'est à ce moment que ces raisins offrent tout leur potentiel aromatique. Ça donne pas, hein? Oh, ma vue, hein? Le casse-croûte reste le moment préféré de tout bon vendangeur. Du seau à la bottiche, de la bottiche à la benne, la vendange est transportée au pressoir. La fermentation commence, suivi du lent processus de la vinification. La mise en bouteille s'effectue en général en avril et se prolonge jusqu'en août pour les vins de garde. La maturation de nos vins est réalisée en bouteille. Après être passés sur la ligne d'embouteillage, les bouteilles sont stockées nues. Gardées avec patience dans l'ombre de notre cave, les bouteilles sont habillées juste avant d'être commercialisées. Des vins secs aux plus fruités, nos vins génériques, vins de réserve et vins de prestige, sauront vous séduire. Les grands crus ne sont discernés qu'à quelques rares terroirs, tels le Mandelberg et le Sporen. Vendange tardive et sélection de grains nobles, perles rares et prestigieuses, d'une complexité et d'une longueur en bouche exceptionnelles, se dégusteront intensément. Crémant blanc ou rosé, issu de la méthode traditionnelle,
feront pétiller toutes vos fêtes. Depuis plusieurs générations, nous travaillons nos vignes et élaborons nos vins dans le respect de la tradition. C'est dans notre cave que nous vous invitons à partager le fruit de notre passion et de notre savoir-faire.